Félicitations. Vous avez passé le test de l'univers avec brio. Mais saviez-vous que les défis de la vie ne sont pas que des notions poétiques? Ils sont réels et nombreux. Même l'idée qu'une puissance supérieure nous demande des comptes n'est pas une simple histoire, c'est une vérité universelle. Ceux qui sont en phase avec l'univers comprennent que nous devons parfois prouver notre engagement à l'égard de nos rêves et de nos désirs. Le cœur humain est toujours en quête de plus, et c'est une bonne chose. Si nous avions tout ce que nous voulons immédiatement, à quoi servirait le voyage de la vie? Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous quelques signes qui indiquent que vous avez réussi le test de l'univers. Votre travail acharné n'est pas passé inaperçu, et voici comment vous pouvez vous en rendre compte. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, nous aimerions que vous vous abonniez à notre chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce qui vous attend. Numéro 1, vous avez envie de donner en retour. Une fois que vous avez prouvé que vous êtes capable de relever les défis de la vie, vous prenez conscience que vous n'êtes pas un simple spectateur dans ce voyage cosmique, mais un élément essentiel de la structure complexe de notre existence. Cette prise de conscience fait naître en vous un puissant désir de participer activement à l'élaboration du monde qui vous entoure. Vous vous sentez obligé de contribuer, de partager les bénédictions que vous avez reçues avec les autres. Le simple fait d'exister ne vous suffit pas, vous aspirez à une signification. Cette aspiration se transforme en un désir profond d'avoir un impact significatif, d'être une force pour le bien dans la vie de ceux qui vous entourent. C'est un appel qui résonne profondément dans votre âme, vous propulsant à l'action et inspirant des actes de gentillesse et de générosité. Numéro 2, vous faites preuve de gratitude et d'humilité. Ceux qui se trouvent dans les bonnes grâces des puissances supérieures comprennent la valeur de leurs bénédictions. Cette conscience imprègne chaque instant, servant de rappel constant de la préciosité de la vie. Ils ne considèrent pas leur fortune comme acquise, au contraire, ils sont remplis de gratitude pour toutes les bénédictions qui leur sont accordées. Outre la gratitude, ils font preuve d'une grande humilité, sachant que la fortune peut basculer en un instant. Être favorisé par le destin est un privilège, pas un acquis. Ceux qui ont mérité cette faveur reconnaissent la fragilité de leur propre existence et restent ancrés dans l'humilité. Ils comprennent que la roue de la fortune tourne sans cesse et qu'avec elle, les marées de la vie peuvent changer rapidement. Ils suivent donc le chemin de la gratitude et de l'humilité, honorant les bénédictions qu'ils ont reçues tout en restant conscients de l'imprévisibilité de la vie. Numéro 3, la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Lorsque vous êtes favorisé par les dieux, la négativité ne peut tout simplement pas s'installer. Quelle raison auriez-vous de rester dans le désespoir alors que vous avez été comblé de bénédictions par les puissances supérieures? L'envie, le ressentiment et l'amertume n'ont pas leur place dans un cœur débordant de faveurs divines. Pourquoi refuser aux autres leur bonheur alors que vous avez tant reçu? Pourquoi déprécier leur réussite alors que vous avez été élevé par la bienveillance cosmique? Rien ne le justifie. Lorsque vous sortirez victorieux de votre épreuve cosmique, vous vous trouverez rempli d'un bonheur et d'un contentement sans limite. C'est une promesse. Numéro 4, les synchronicités éclairent votre chemin. Il est impossible d'ignorer les signes universels, ils sont comme des miettes de pain cosmique qui vous guident tout au long de votre voyage. Au fur et à mesure que vous progressez dans le dialogue divin, votre chemin s'orne d'une tapisserie de coïncidences enchantresses et de présages mystiques. Bien que diverses dans leur forme, ces synchronicités en disent long, offrant clarté et perspicacité à chaque tournant. Vous rencontrerez ces signes partout où vous irez, chacun étant un clin d'œil subtil du ciel. De plus, vous reconnaîtrez intuitivement leur origine, l'œuvre du divin, vous guidant toujours plus près de votre destin. Numéro 5. Le timing divin est impeccable. Après avoir étudié les complexités de l'univers, une vérité s'impose, le timing orchestré par les puissances supérieures est toujours impeccable. Pourtant, en tant qu'être humain, nous sommes souvent confrontés à cette vérité. Parfois, la vie semble se dérouler à un rythme glacial, mettant notre patience à rude épreuve. D'autres fois, elle se précipite dans un tourbillon de joie, nous laissant à bout de souffle dans son sillage. Mais au milieu de ces fluctuations, une chose reste constante, la cohérence et la bonté inhérentes au calendrier divin. Qu'il s'agisse du lent déroulement des événements ou de la rapide cascade de bénédictions, chaque moment est exactement comme il devrait être, parfaitement synchronisé avec le grand dessein du cosmos. Numéro 6, accueillir le changement avec gratitude.
Voici un autre signe de notre statut estimé aux yeux de l'univers, notre peur du changement se dissipe. Ce qui nous remplissait autrefois d'appréhension face à l'avenir n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous avons compris que le changement est un aspect inhérent à la vie, aussi inévitable que la naissance et la mort. Et comme ils ne sont pas négociables, il ne sert à rien de s'en inquiéter. Cette prise de conscience nous permet d'accueillir chaque changement avec un sentiment de facilité et d'acceptation. Nous ne laissons plus la peur dicter notre façon de voir les choses, car nous savons que nous ne naviguons pas seuls dans les méandres de la vie. Avec les conseils divins à nos côtés, nous faisons face à tout ce que le destin peut nous apporter avec une assurance sereine. Numéro 7. Embrasser son moi authentique. L'un des résultats les plus gratifiants de la conquête d'une épreuve cosmique est la découverte de votre véritable essence. L'époque des faux-semblants et du rôle joué est révolue. Vous vous rendez compte que vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir besoin de façades artificielles ou d'impressionner les autres. Il n'est plus question de se cacher derrière des masques ou d'avoir honte de ce que l'on est vraiment et de ce que l'on ressent. Vos rêves font partie intégrante de votre être. Le sentiment de libération qui accompagne cette prise de conscience est tout simplement exaltant. Vous êtes libéré des chaînes du doute de soi et des attentes de la société, vous avez le pouvoir d'embrasser votre moi authentique et de vivre votre vie selon vos propres termes. C'est un voyage de transformation qui commence au moment où vous sortez triomphant d'un test universel. Numéro 8. Trouver l'harmonie à l'intérieur et à l'extérieur. Alors que le voyage vers l'équilibre et l'harmonie se déroule en vous, ces effets d'entraînement s'étendent bien au-delà. Votre entourage ne peut s'empêcher de remarquer le rayonnement intérieur qui émane de votre être, sentant la profonde transformation que vous avez subie. Votre gentillesse et votre positivité deviennent contagieuses, provoquant des changements subtils mais significatifs dans votre environnement. Vous devenez un phare dans votre petit coin du monde, une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Et à mesure que votre influence se répand, l'univers entier se réjouit de votre présence. Votre alignement sur la paix et l'harmonie apporte de la joie non seulement à votre entourage immédiat, mais résonne également dans tout le cosmos. En conclusion, il est essentiel de ne pas se reposer sur ses lauriers, car la fin d'une épreuve n'en marque que le début d'une autre. Si vous croyez que vous pouvez maintenant vous détendre pour l'éternité, vous ne vous rendez pas service. L'univers et les forces divines nous réservent encore des défis, conçus pour mettre à l'épreuve notre résistance, notre volonté et notre détermination. Ces dons nous ont été accordés pour une raison précise. Si la prière et les intentions peuvent mettre les choses en mouvement, nos propres actions sont tout aussi essentielles. Les épreuves célestes nous rappellent de rester ancrés et connectés à notre existence terrestre. Mais ne craignez rien, car nous ne sommes jamais accablés par plus que ce que nous pouvons supporter. Dieu et l'univers partagent un amour commun pour l'humanité, ne désirant rien d'autre que le meilleur pour nous. Ainsi, nous rencontrerons toujours des épreuves cosmiques visant à notre croissance et à notre développement. Du point de vue divin, notre amélioration continue est primordiale. Merci de m'avoir prêté votre oreille, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à viser les étoiles.